Bonjour, je m'appelle Alexandre Caps, je suis le gérant des établissements L'Esprit Bistrot et je me propose de vous expliquer comment nous avons gagné le trophée Bocuse & Co. L'idée du trophée Bocuse & Co, c'est l'idée d'attribuer un trophée qui récompense les entrepreneurs anciens élèves de l'Institut Paul Bocuse qui ont créé leur entreprise et qui ont, entre guillemets, qui ont fait preuve d'un esprit d'entrepreneuriat spécifique avec une idée particulière. Voilà. Et nous, ce qui nous a fait gagner ce prix cette année, c'est que le jury a apprécié divers critères qui font partie du concept de l'esprit bistrot, notamment les circuits courts, que ce soit les fournisseurs régionaux, historiques, que sont la charcuterie Bobos, la fromagerie Mons, la boulangerie Pozzoli ou les cafés voisins. Ils ont aussi apprécié le fait qu'on ne travaille quasiment exclusivement que des produits frais. On a uniquement deux de nos 250 produits qui sont surgelés. Ensuite, on travaille un maximum des produits de la carte, voire une partie des plats du jour, avec une cuisson en basse température, ce qui nous permet d'optimiser la qualité organoleptique des produits et surtout de ne pas altérer le produit initial qui est un produit qualitatif. Alors, mes producteurs, et je vais prendre l'exemple des légumes qui sera le plus parlant, c'est que j'ai voulu une entreprise régionale, donc basée dans les environs de Lyon. Qui plus est pour les fruits et légumes, je voulais une spécificité, c'est que le producteur travaille des produits en agriculture raisonnée. Et aujourd'hui, on a la société Voie Verte à Caluire, qui propose, et bien entendu, le côté régional, puisque ce sont Caluire, mais aussi l'agriculture raisonnée, puisque c'est comme ça qu'ils produisent et vendent leurs produits. Je vous invite à venir découvrir nos cuisines ouvertes dans les trois établissements. Vous pourrez donc voir la fraîcheur des produits et la qualité du travail effectué.